Momo! Ça va pas nous plaire là. Oh. Bon, vu qu'il y a plus le gros bruit, il est un petit peu assourdissant dégueulasse. Ah, il y a une porte là. Ouais, on va voir. Là, il y a beaucoup de portes là. Ah, une autre porte. Ah, là, je choisis ma porte en gros. C'est soit celle-ci, soit. Et là, j'ai plein de clés. Bon. Si je m'approche des clés, il se passe quoi? Il se passe à rien. Bon, j'ai le choix. Genre, je choisis ma porte. Donc, on a quoi? Tac, on a ce modèle de porte là. Ouais, donc ici. Ou sinon, on a ce modèle là. Ah, d'accord, en fait, fallait assembler les deux pour avoir une porte. Comme ça, on avait l'encadrement. Puis. Apparemment, il manque un truc. Ah, peut-être la clé de la porte, justement. Bon, à mon avis, il manque des choses, on va revenir dessus. Peut-être la poignée, voilà. Donc il y a sûrement un peu de ça. Et donc là, forcément la clé qui va avec. Eh ben oui, parce que tu crées une porte avec des photos. Quoique ça serait plus simple en vrai. Bon, par contre, le bateau, wow. Il est fat, hein, on va pas se mentir. Oui, petit tac. Oh, je vais pas aimer ça. J'ai un peu de choses sur lui, semble-t-il. Ma chambre, ça, non? Vêtements que c'est ma chambre. Donc il y a quelqu'un qui m'observe. Finesse, c'est le métronome qu'on entend. Le métronome, il est censé être en dessous de nous. Là. Ouais, c'est ça. J'avais fait l'andouille, souvenez-vous, au début, pendant la dernière vidéo. Oh punaise! Bon. Nouvelle porte. En vrai, ce jeu, ça consiste à voir des portes, courir, piper, hurler. Tragedy strikes at the heart. Despair consumes. La tragédie frappe au cœur, le désespoir consume l'âme. Et moi, c'est ce jeu qui me consume. Une vie désagrégée. Désagrège. Contact. Il va pas bien, le monsieur, là. Donc là, on a le souci de la nourriture et de la bouffe. Par contre, faudrait qu'ils arrêtent de toquer, là. Wow, tapage nocturne, merde! Encore un code. On va ouvrir, hein. Bonjour. Si que ça fait toc toc. Momo! Partout! Voici des mots sages. Ok, bon, vas-y, donne-les-moi tes mots sages. Hop, évitez de mourir. C'est 920, Billy! On va les regarder. On a 920, on va voir après qui c'est qui tape. Hein. C'est vrai que John se trompait de personne, ça l'a vexé un petit peu le monsieur. Pourquoi le truc qui tape, je sens ça peut nous plaire. C'est stressant et énervant en même temps. Bonjour, c'est moi. Ah, il y a une fuite de gaz là encore. Hop. C'est bon, tac, ça boule mes canons et encore là pour tout réparer. Tu le sais, c'est la règle. Comme tous, ce qui vit doit mourir. Emporté par la nature dans l'éternité. Ok, donc là, ça me l'aide, encore mieux. Bon, on a récupéré un panneau. On va aller voir le monsieur qui fait toc-toc. Non, c'est pas drôle. Là, ça va pas nous plaire, là. Oh. Ah non. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Stop. J'ai dit stop, arrête, toi. Bon. Là, je... Me mange pas, hein. Get up, quartermaster. Debout, quartier maître, ce qui est fait, ça ne sert à rien de pornifier. On doit aller à l'avant et trouver les vivres. Tiens, prends ça, ça t'aidera à trouver ta force. Là, il a plus l'air de trop pleurer, hein. Je veux pas dire, mais il a l'air en pleine forme. Hein, que t'as l'air en pleine forme, Billy. C'est toi qui as mis un puits là? C'est toi qui as mis ta soeur dedans? Je me suis dit comme ça, j'entendais plus, mais non. Bon, il y a une sauvegarde, et là, c'est le moment où je risque de pleurer de peur, là. Oh, je sais ce qui va se passer, je vais regarder dedans et voir un truc. C'est certain, il y a un truc qui va se passer, là. C'est possible, voilà. Bon, déjà, je suis tombé. Et là, maintenant, c'est le moment où je dois courir parce qu'on va me manger, c'est ça? Mais c'est pas un bateau, ce truc-là! C'est quoi, ça, c'est? C'est Star Wars, c'est pas pareil! Oh, punaise. Il y a une porte, là, il y a le monsieur avec l'heure. T'as trouvé l'heure, Billy? Ah, c'est
c'est particulier comme aiguille. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose ni moyen de passer ici. Du coup, hop, option 2, on se tire. Par contre, quand c'est à moitié ouvert, on sait que c'est jamais très bon. Oh là là. Ça craque de partout. Oh la vache. Attendez, alors, ça c'est le bas et ça c'est le haut, c'est ça? Ah non, ça c'est le bas et ça c'est le bas. D'accord, et il est où le haut du coup? Parce qu'il en manque un morceau là. Enfin, il manque deux morceaux du coup. Ah d'accord, ok, donc là il y a une énigme à faire. On peut déjà comprendre à qui sert quoi, etc. Bon, lui on va le laisser là comme ça, et on va essayer de trouver quel morceau avec quoi. Bon, déjà, ça me paraîtrait pas déconnant comme ça. Ah, là c'est le milieu, ok d'accord, ça c'est un sélecteur ça. Contact. Là techniquement, encore un petit tour et c'est censé être en train de voir la forme. Ah, c'est bien fait pour te tromper. C'est sûr que dans toutes les salles de machines, il y a un truc comme ça. Bon, par contre, c'est très joli. Ah bah on a retrouvé les têtes déjà. Un qui souffre prend un autre. Un autre prend sa place. La machine continue de tourner. Donc je suppose que c'est à moi de prendre la place, hein, c'est ça? Ah! Je comprends pas tout. Ah, fallait faire 8. Ah! Bon, je suis foutu là. Ok, bon, j'ai compris. Donc, faut que j'arrive à faire 8. 5 et 3, 8. 38. Bon. On fait des maths en plus, hein. Ce jeu, c'est vraiment une torture. Ok, 24, 70. Ok, bon. On est bon. Le temps passe, la mort retourne à la poussière. Pouf! Une plante qui a poussé. Qu'est-ce qu'elle veut dire dans le langage des fleurs cette plante? Je suis sûr que ça veut dire un truc dans le langage des fleurs. C'est obligatoire. Ici c'est toujours log, donc je suppose que c'est par là. Complètement. Au tout début, je me suis dit ça va être le père tranquille. Hein. Faut qu'ils arrêtent avec ça, putain. Oui, mais je me suis pas rendu, ça va être un pépère, je peux trop flipper. J'ai jamais trouvé que je sors des jeux vidéo. Et ben là, je vous assure que là, ça y est. Celui-ci, c'est devenu bon. Oh, purée. Et on n'était pas dans un bateau il y a quelques minutes, là? Je comprends plus rien, putain. Un coup, on est dans un bateau, un coup, on n'y est plus. Un coup, on est un pirate, un coup, on est un matelot. Et là, les... Il n'est pas d'homme qui soit une île, mais seul peut devenir un navire et porter une flamme d'un autre. C'est très profond comme parole. Je crois qu'ils auraient mis des... Je sais pas ce qui est le plus flippant entre le mannequin et un vrai cadavre. Lui va nous tomber dessus, hein, tu vois un truc, vous allez voir. Même pas. Par contre, une maison qui tanque, c'est bizarre. Ça. Ouais. Une maison qui tangue, c'est pas tous les jours. Et une maison dans un bateau avec un ciel ouvert, ça réconforte le cœur et alimente l'âme. Ça rend le monde lumineux. Si lumineux. Une flamme volée brûle intensément, mais brûle rapidement. Une flamme volée. Finit par s'éteindre. Bon, retour à celle des machines, et cette fois-ci la porte de tout droit c'est ouvert, donc je suppose que c'est là. Ah, je vois la lumière. Sachant qu'il y a des cadavres qui venaient de là tout à l'heure.
Attention. Oh punaise, je suis dans une salle, j'ai l'impression. Ok, il fallait que j'avance un petit peu. C'est le vieux bruit d'un rouage, punaise, j'ai eu peur. What? Franchement, je vous assure, j'ai très rarement aussi peu compris un jeu. Enfin là, on comprend ce qui se passe et tout, hein, mais... T'arrives dans une porte, tu ressors, c'est plus le même endroit. C'est ultra... T'as pas de repère, en fait. T'es perdu. C'est pas possible. C'est imprévisible, ce jeu. C'est... Tu peux pas prévoir, t'es toujours surpris. Genre ce bruit-là, vous voyez, ça, ça... Non ! Punaise. Ça veut dire barre-toi vite. Ça va me sauter dessus.